Donc ça, c'est la démo qui est disponible sur Switch. Hein, c'est la démo. Mais tout ce que vous faites dans la démo sera porté dans le jeu final. Donc mon cheval a disparu. Donc tout ce que je fais là, quand j'aurai un jour le jeu, ben je reprendrai exactement là où je me serais arrêté. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Sont mignons ces petits machins. Alors on peut aller par là. Bon, ça va, je dirais que je suis pas trop mal par rapport à la zone. Il y a encore les petits machins? Qu'est-ce que c'est que ces petits machins? Paf! Paf! Raté. Ok, donc là c'est barré par la garde. Ça me fait marrer de foncer sur les ennemis. Ah ah! Ouh! Nice! Ça marche pas mal, hein, le contre. Ça marche pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ornithox. Oula, lui il va être dur. Ah, quoique il est déjà jaune, ça va.
Oh, les petits marteleurs! Je veux combattre les petites graines. Hypnobulbe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que j'ai appris un sort de premier soin plutôt d'utiliser des herbes. Une peau résistante. Une fiole unique. Ça rend des PM, ok. Est-ce que je peux trier mon sac? Trier, voilà. C'est un peu mieux. Alors, premier secours, ça rend au moins 25 PV, donc on va attendre un peu avant de l'utiliser. Kiki, un bébé. Un bébé. Ça va bien, mon oui. Ça va. Ça va. Non, parce que des fois, elle se réveille. Elle se réveille et elle miaule. Et là, elle a la tête dans le cul. Elle miaule et du coup, elle a... je vais la voir. Oui, c'est un chat et en fait, j'en ai trois même. Des photos du chat, vite. Bah, je vais pouvoir montrer les chats deux petites secondes. Alors, je vais mettre le jeu en pause. J'espère que c'est en pause comme ça. Quoique, hop, là le jeu il est en pause. Là au moins je suis sûre. Et bah alors la caméra, pourquoi elle s'active pas? Allez. Oups. Ah, ça y est. Alors c'est dans quel sens? Comme ça. Alors déjà là-bas, on a Sora. Qui est le plus jeune, qui est le plus chieur, qui est le plus pénible. Coucou. Ensuite, on a Noctali ici. Qui tire un peu la gueule. Et tout au fond, il y a Bébé Chat. Là, il y a Sora qui veut venir jouer avec la caméra. Mais du coup, donc, il y a Noctali. Bonjour. Bonjour. Et il y a Nissi au fond, c'était elle qui a fait Maou et qui a appelé à l'aide, genre « Oh, je suis un pauvre petit chat !» Mais oui, Sora. Non mais regardez-le, sérieusement. Regardez-le à essayer de s'accaparer toute l'attention, là.
Bébé. Nissi. Nissi. Bébé. Viens voir. Ah. Bébé. Elle est roulée en mode escargot. Nissi. Nissi. Non. Elle décide juste de rester en mode escargot avec un œil ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce t'as toi? Qu'est-ce t'as toi? Noctali et Sora, c'est... Hey, regarde maman, je passe à la télé! Oh, regardez le bébé chat derrière. On mange pas le fil, idiot. Idiot. Et ça, c'est spécial dédicace pour Iva. Regarde comme ils sont choux. Voilà. C'était le moment Kamcha. Apparemment, tu as spammé un peu trop le message. Tu as dû spammer trop de « Ah !» ou que sais-je. Mais oui, ils sont beaux, mes chats. Donc du coup, il y a Sora qui est un mâle et Noctali et Nissi qui sont des femelles. Et bizarrement, c'est Sora le plus chiant. Well, now I can say that I have enough cats. Even though Nissi was enough in the first place, I kind of wanted to make her have some companion for when I'm not home, so she doesn't feel lonely. Tu t'es fait censurer, mais oui. Oui, il a supprimé tous tes messages. J'imagine que t'as dû poster un truc du genre ah ou un truc comme ça. Parce que c'est ce que moi j'aurais écrit. Ah, c'était I pour être exact. J'étais pas loin. Et pas de pommes. Je suis hyper tonique. Ça me fera toujours rire, hyper tonique. Oh putain, le coup critique. You had three dogs and two cats at one point, then we just had three cats and now you just have the one. Yeah. That's the saddest part of having animals with you. Alors on a exploré ce côté du chemin. Maintenant on va explorer ce côté du chemin pour voir si on n'a pas raté des trucs. But when we were living in another place with my family, we had like dogs, we had cats, we had chickens, we had a horse, we had goats. We used to live in a farm and we had tons of animals, so it feels weird for me if I don't have an animal with me. Donc oui, comme je disais, c'est vrai que on a toujours plus ou moins vécu avec des animaux. Pendant une période où on vivait à la ferme, quand on vivait dans les Vosges, il y a un truc là-bas, je le veux.
Quand on vivait dans les Vosges, on avait des chiens, des chats, des chèvres, des poules. On avait des canards semi-domestiques parce qu'ils avaient bien compris qu'on pouvait les nourrir. On avait un cheval. Donc on avait toute une batterie d'animaux. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça m'a fait un peu bizarre au début quand j'ai commencé à vivre seule de pas avoir d'animal avec moi. Donc c'est pour ça que très vite quand j'ai emménagé sur Fougères, j'ai cherché à choper un petit animal de compagnie. Et bien sûr, ça a été Nissi, mon bébé. Et puis après, j'ai adopté Noctalie, puis Sora. Parce que comme je disais aussi en anglais, c'était parce que j'avais peur qu'elle se sente seule quand je suis pas là, parce que ça m'arrive des fois de m'absenter, des trucs comme ça, donc comme ça, au moins, elle n'est pas toute seule. C'est sûr que ça fait plus de frais niveau bouffe ou niveau litière, mais au moins, elle n'est pas toute seule. Bon, on a l'air d'avoir fait le tour. Je crois que j'ai rien manqué. My cats doesn't go out. They don't go out. Even if I were to live in the first floor, I wouldn't let them out because of the traffic or stuff like that. But I find easier to have cats too because you don't have to walk them. And they're here, they're with you, they eat, they drink, they sleep. But for me, it's really you don't have to walk them out. Par contre, si tu pouvais pousser ton cul de ma tête, Sora, ce serait fantastique. Ah! Sora, tu marches sur mon écouteur, j'entends plus rien. Alors, caractéristiques, Nao. Non. Comment je fais pour m'occuper de mes points de compétence alors? Hexagramme, trouvé. Là, il faut 6 épées. Et là, il en faut 4. Donc, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Ah! Pousse-toi! Allez, descends avant de faire une bêtise. Non, parce que je te connais, toi, tu fais des bêtises, hein. Il en avait dans la réserve, lui, hein. Oui. Non. Magie, c'est écrit là. Non, toujours pas. Tu restes en bas.
Ok, donc ça on avait vu. Ça brille là-bas. Une fleur de coton. Une herbe médicinale, une fleur de coton. Yeah, that would be nice to be able to control freeze power. You could create your own igloo when there's a heat stroke outside and you'll be at home in your igloo, not suffering from the heat. Et nous voilà arrivés à la capitale. Ah. Buvez les gens, c'est important. Mais la vraie question, c'est quand le drame? Pour l'instant, tout se déroule trop bien. Alors j'ai la flemme de parler à tout le monde, je vais juste parler à ceux qui ont des points sur la carte, donc les bulles roses ou les bulles violettes. Alors, on ferait bien d'aller au château. Les portes ferment dès que la nuit tombe, ok. Charles est coincé sur le toit, il ne peut pas descendre. Charles est dans le pétrin. Alors certes, mais sur quel toit ? Bon, trouvons Charles. Mais t'es têtu, Sora, hein? T'es gentil, mais non. Reste en bas. Tu joues pas avec le fil. Non, non. Dis donc. Ça suffit les conneries. Charles, t'es là? Alors, intrépide aventurier, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce livre avant d'entreprendre votre quête, que ce soit celle-ci. Les monstres qui rôdent en race campagne pendant la nuit sont bien plus redoutables que ceux qui apparaissent de jour. Souvenez-vous de ces quelques mots, aventurier, et ne vous lancez de nuit sur les chemins que si vous vous sentez prêt à surmonter les dangers qui vous guettent. Ok, donc les monstres sont plus forts la nuit. Bonjour, je viens casser des pots. T'as vu Charles? Je
je suis Lulu, Nao ou Mi. Ah ah. Eh ben, je suis les trois en même temps. Yo. Reste là. Le plus simple, c'est d'utiliser Lulu tout court. Mais les trois marchent bien. Enfin, si tu m'appelles Mi, ça fait un peu bizarre. Nao, je l'utilise pour les personnages masculins. Genre là, le personnage, c'est pour ça qu'il s'appelle Nao. Mais en général, Lulu, ça suffit. Bon, et t'es têtu là, Sora. Eh oui, mais mon prénom n'a rien à voir avec mon pseudo. C'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'on a un accès au toit par ici? Après avoir cassé des citrouilles. Encore des citrouilles. Je fais l'avion. Youpi. Bon, Sora, t'es lourd. Là-haut, pas mis. Oui, t'es relou. Charles? Oh, encore un petit fantôme. Une mini médaille. Chouette. C'est lui, Charles. Oh! Sora. En bas. Yahoo! Vous avez réussi, vous avez récupéré mon petit Charles. Merci. C'est pour vous. Je reçois un sac de litière pour chat. Chouette. Lulu was a tomato, now she's a pumpkin. Happy Spooktober. Yeah! Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ta litière pour chat? Bon, bah j'ai de la litière pour chat. Très bien. Non. Laisse-moi d'abord regarder. Ah oui, l'herbe curative, ça fait, ça c'est guérir du poison, oui. C'est pas la même chose que l'herbe médicinale. Bon, je vais en stock un peu de tout, je vais garder mes sous. J'irai plutôt voir à l'armurerie. Alors, on va reprendre ça. 2-0. Je vais explorer les maisons. Donc on est arrivé de là, mais moi je vais explorer les maisons pour voir si c'est des trucs à casser et à récupérer. C'est pas super intéressant, mais c'est rigolo à faire. Donc cette maison on peut pas l'ouvrir, là c'est l'auberge qu'on est allé voir, mais je l'ai pas très bien explorée. Oh oh. Je plaf. Tout se regroupe. Donc la suite de l'auberge, c'était par là. Toutou. You cannot pet the dog. No. Ah oui, bon, on était déjà venu là. Oh, le puits est bouché, ils sont pas drôles. Ouais.
Le duo Infernal, Sora et Noctalie ont décidé de faire le bordel dans les plaids. Punicie, elle me regarde d'un air blasé, genre « Non mais pourquoi tu les as ramenés ?» Putain, mais décidément, on peut niquer toutes les citrouilles. Dis donc, y a un mec étrange chez moi, il est venu, il a cassé mes citrouilles, il a cassé mes pots. Vous allez voir, je vais arriver devant le roi, on va m'arrêter pour crime contre... la bonne conduite, voilà. Promenons-nous à Héliodore numéro spécial Bafon. Le mois dernier, nous nous sommes intéressés à des lieux méconnus du centre historique d'Héliodore. Ce mois-ci, nous allons vous faire découvrir le quartier bigarré des Bafons. Ce quartier occupe ce qui était jadis une tranchée défensive. L'augmentation rapide de la population de la ville obligea les nouveaux venus à s'installer dans ce fossé hors de l'enceinte de la ville. Très vite, cette zone animée, faite de briques et de brocs, attira une foule de personnages hauts en couleur, ce qui lui valut une réputation d'endroit mal famé, mais où les opportunités étaient nombreuses. Le taux de criminalité élevé des bas-fonds n'est un secret pour personne, mais pour les amateurs de sensations fortes, le frisson y est garanti. Oserez-vous explorer la face cachée des Héliodore ? En vrai, le criminel, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. C'était là où j'ai cassé les citrouilles. Oh. Ça doit être là, les bas-fonds. Oh, un petit passage secret. Bonjour. En tout cas, c'est super joli, hein. Ça, y a pas à dire. Je peux pas rentrer. Ah si, j'ai eu peur. J'allais dire, je peux pas rentrer dans cette grande maison. Qu'est-ce qui a cassé? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça va être très bon. Ah, elle aussi, elle fait trois saucisses et deux patates. C'est un plat très... connu des gens. Quelle toupée! Ce sont des affaires personnelles! Je m'en fous, c'est à moi. Des bas résis, des bas qui mettent dans les jambes en valeur. Est-ce que je peux m'en équiper? Non. J'ai bien aimé la grand-mère. La grand-mère qui réagit quand j'ai pris les bas. Oh non, mais dis donc, mais jeune homme, ce sont mes bas résines, ne me venez pas honte. Oh, de mon temps, les jeunes, c'était pas ça. Hein. Je savais pas qu'on jouait à Assassin's Creed. Bon, en tout cas, c'est vachement cool. C'est rigolo. Oh, genre. Faut faire tout le tour alors que tu peux largement sauter au-dessus de ça. Non mais vraiment. Oh, il y a un petit bonhomme. Une graine de magicalité.
Ça augmente légèrement la puissance magique. Bah, c'est pour moi. De toute manière, tout est pour moi. Quand il y aura d'autres personnages dans le groupe, ce sera toujours tout pour moi. C'est moi qui carry la game. Ah, tout ça pour 3 pièces d'or. C'est ça. Tout est pour moi, sauf ce qui est pour les chats. Un bébé. Ils ont décidé de faire les concons. Bon, j'ai vu qu'il y a une quête là-bas, je vais aller les voir. Par où je descends. Je descends par là. Non. Voilà. Et c'est par là. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Voir les deux plus grands héros de l'histoire sur Jasper et sur Hendrik. Le problème, c'est qu'on ne me laisse pas entrer au château. Tu y crois? Bon, si je peux pas les voir en chair en neuf, je peux au moins patienter en lisant ce qui a été écrit sur eux. Comment elle a balancé la boule? Le touriste veut que vous cherchiez un livre consacré aux deux héros locaux. Hendrik, le général, et Jasper, le stratège. Bah, ma foi, oui. Donc il serait apparemment de ce côté-là, parce que lui, il a déjà exploré le quartier ouest. On va faire une petite sauvegarde. La question est, dans quelle maison on n'a pas fouillé les bouquins? Je m'appelle Aymar, mais la plupart des gens m'appellent le forgeron errant. Au cours de mes voyages, j'ai entendu de nombreuses rumeurs faisant état d'une petite forge très particulière. Il paraît qu'il est possible d'y placer toutes sortes de choses fort diverses. Et qu'elle produit alors de nombreuses créations fabuleuses. Mais cette histoire n'est-elle pas trop rocambolesque pour être vraie? Cependant, si elle devait contenir un soupçon de vérité, l'aventurier avisé ferait bien de garder tout ce qu'il trouve lors de ses voyages. Qui sait en quoi ce bric-à-brac pourrait bien être transformé? Va donc falloir garder les équipements. Ah oui, c'est là où on avait... sauver le chat. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de bouquin ici. Je vais fouiller là. Oui. Et c'est la nuit. Ah oui, c'est là où j'ai volé les petites... Mais il n'y avait pas de bouquin ici. Est-ce que dans cette maison, j'avais bien lu les livres? Il me semble que oui. J'en avais trouvé un. Ah ben voilà, le soldat et le stratège, l'histoire de deux héros, Nao le nain. Les monstres auront beau redoubler de violence dans leurs assauts contre Héliodore, ce grand royaume ne tombera pas car deux héros se dresseront toujours sur la route de ses assaillants.
Le premier est Sir Hendrick, un guerrier hors pair. À d'innombrables reprises, chevauchant son imposant destrier noir onyx, il s'est rué sans peur au cœur de l'assaut, dispersant les ennemis aux quatre vents. Chevaleresque à l'extrême, il est souvent considéré comme le meilleur épéiste du monde, enfin au monde. Même le plus grand et le plus infâme des trolls n'ose pas se dresser contre sa lame tournoyante. Le second est Sir Jasper, habile et rusé, le cerveau militaire le plus brillant de sa génération. À maintes reprises, il a su mener à la victoire des forces largement inférieures en nombre par rapport à l'ennemi. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec Sir Hendrick dans le maniement de l'épée, sa capacité à analyser n'importe quel champ de bataille afin d'élaborer la stratégie la mieux adaptée à la situation est sans pareil. Grâce à la protection de ces deux grands hommes, l'épéiste et le stratège, Héliodor ne craint rien ni personne. Et voilà, on a trouvé le livre. Et du coup, j'étais déjà venue ici. On a déjà pillé cette maison. Oui, effectivement, on était déjà venue ici. J'avais juste pas vu ce bouquin. Je peux sauter dans l'eau. Oui. Bon, en résumé, il est content. Un sous-drasilien. Cette pièce de monnaie d'un royaume disparu n'a plus cours, mais elle peut être échangée contre quelques pièces d'or. D'accord. Donc j'imagine que ce genre d'objet, ça pose pas de problème pour la revente. Je peux prendre ça. Allez, je prends ça, il me restera 5 or, c'est pas grave. Et je vais vendre mon sous-drasilien. Attendez, quand même, je vais Google sous-drasilien. Je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. Apparemment, ça sert vraiment jusqu'à être vendu. Je veux être sûr. Bon, c'est bon, je peux le vendre. Est-ce que la litière pour chat, je peux la... Litière pour chat. Dragon Quest 11. Arrête de me planter des griffes dans le cul. Oh. Apparemment, ça a l'air d'être utilisé pour quelque chose.
ça, je vais pas la vendre. Non. Il n'y a rien d'autre à explorer ici? Non. Je leur fais faire un petit courant d'air comme ça. Ah, il y a des escaliers par ici. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a à casser? De la lecture? Chouette. Les chroniques du caporal Patsycatrice. De Patsycatrice. Drôle. Alors que nous progressions à travers plaines et prairies, les combats contre les monstres errants se faisaient de plus en plus fréquents. Puis nous finîmes par tomber sur le plus redoutable de tous, le dragon. Aucune épée, aucune lance ne pouvait transpercer la peau de la bête, couverte d'écailles aussi solides que l'acier, de la tête à la queue. Il semblait certain que nous serions tous massacrés jusqu'au dernier. Agitant désespérément mon épée, je réussis, je ne sais comment, à porter un coup à ce lézard démesuré et à l'étourdir. Nous avons tous fui sans hésiter, de peur qu'il reprenne rapidement ses esprits. À ce jour, j'ignore toujours pourquoi et comment mon attaque lui a fait un tel effet, mais mes hommes et moi savons que nous devons la vie à ce caprice du destin. Chat. Monsieur Chat et moi, on joue ensemble. C'est moi, ça. Haha. Mais y a rien. Quoi, bro? C'est quoi ce vacarme? J'aime bien que les PNJ réagissent. Une brève histoire d'Héliodore, très bien. Situé au sommet d'une falaise rocheuse, Héliodore n'a jamais bénéficié d'un sol fertile ou de pluie abondante. Jamais aucun fermier n'avait tiré de riches récoltes de ses terres, considérées comme incultivables. Mais un jour, deux frères arrivèrent dans cette région inhospitalière, cherchant à fonder leur propre nation, ils décidèrent avec audace de tenter de l'arracher à la nature. Nombreux furent ceux qui se moquèrent de leur folle entreprise, mais les deux frères, ignorant le mépris et les railleries, continuèrent avec pugnacité. Un vaste système d'irrigation permit à la vie de se développer dans le sol et leurs premières récoltes dépassèrent toutes les espérances. Leur succès rassembla autour d'eux les familles de paysans des environs et très vite, un royaume uni sortit de cette terre métamorphosée, avec à sa tête les deux frères couronnés rois, et le or était né. Oh. Mais il n'y a pas d'autre porte, comment je fais pour aller au coffre? Voyons voir. Peut-être en passant par les toits, je ne sais pas. Ah là, je peux pas rentrer. Bébé chat!
Et là, c'est toujours la même maison. Ils ont combien de portes, sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux ce coffre. Faut que je trouve un moyen de grimper. Y a rien ici. Y a pas d'air. Alors, YOLO. Yeah. Oh, il y a un petit machin. Ah ah. C'était comme ça qu'on fait un brassard d'or. Alors, objet, sac d'objets, j'ai trouvé une graine d'adresse. Je l'utilise. Et j'ai trouvé un brassard d'or. Ça augmente ma défense et mon charme. Bah ma foi, pourquoi pas. Et Rodaikichi. Et en plus, on a un nouveau bouquin à lire. Il y a un bout de papier caché entre deux livres. Oh, oh. Je n'aime rien tant que le regard envieux des habitants des taudis qui passent sous mon balcon en observant mon coffre au trésor de leurs yeux avides. L'envie de ces gens crasseux est justifiée car ce coffre contient mes biens les plus précieux. Je dors néanmoins sur mes deux oreilles en sachant qu'il est totalement hors de leur portée. Comme je l'ai fait hier et aujourd'hui et demain encore, je me délecterai des œillades pleines de convoitises de la vermine qui grouille à mes pieds. Je suis content d'avoir pris ce coffre. C'est bien fait pour cette vilaine personne. Tiens, je te casse ton pot. Surprise, motherfucker! Il y a quelques artefacts graphiques, c'est-à-dire. Alors, est-ce qu'on a... Je pense qu'on a tout exploré de ce quartier. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de maisons, donc on va commencer à explorer par là-bas. On va refaire une sauvegarde. On sauvegarde jamais assez.